Bonjour les élèves de Madame Ouellette à Franco-Cité, ici Pierre-Luc Bélanger, l'auteur de Ski Blanche et Avalanche. Ça me fait plaisir de prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour répondre à vos questions maintenant que vous avez terminé la lecture de mon deuxième livre. Je sais que vous aviez plusieurs questions concernant une éventuelle suite. Toutefois, je dois vous avouer que ce n'est pas dans les cartes pour l'instant. Si j'avais à écrire une suite, c'est certain que ce serait probablement comme 10 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Il faudrait aussi qu'il y ait des événements assez marquants avec pas mal d'action, donc des catastrophes naturelles, des nouveaux personnages qui viennent complètement chambouler le fil de l'histoire ou peut-être des accidents ou je sais pas, quelque chose de vraiment marquant. Je sais que vous étiez curieux par rapport à Cédric et Blanche, qu'est-ce qui se passerait avec ces deux personnages-là. Eh bien, comme vous savez peut-être, on dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, si tout est parfait entre ces deux personnages-là, ça serait peut-être un petit peu plate. Donc, il faudrait créer peut-être un peu de tension. Ensuite, vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'utilise autant de points d'exclamation? Eh bien, les points d'exclamation sont là pour évoquer la joie, l'excitation, le danger. Il me semble que si c'était seulement des phrases avec des points à la fin, ça serait plutôt plate. Il faut varier quand même les types de phrases. C'est une façon d'évoquer des émotions, après tout. Vous voulez ensuite savoir d'où vient mon inspiration, puis si c'est basé sur des expériences de vie. Ben, à prime abord, je voulais écrire une histoire de ski parce que c'est mon sport préféré. J'ai décidé que le tout allait se passer dans les Rocheuses parce que j'ai eu la chance de skier dans les Rocheuses autant au Canada qu'aux États-Unis. J'ai skié aussi dans les Alpes, j'ai skié un peu partout. Et pour moi, c'est un sport qui est fantastique et je voulais pouvoir partager ma passion pour le ski alpin. Notre côté personnel, c'est toute l'histoire de la mascotte parce que je l'ai vécu. J'ai enfilé malheureusement le costume d'une mascotte à 2 reprises et je peux vous dire que c'est fort déplaisant. Puis un gros morceau de l'inspiration venait simplement du souhait d'écrire à propos d'un personnage qui serait un mauvais garçon, puis qui ferait plein de mauvais coups, puis qui aurait des mésaventures, parce que c'est complètement l'opposé du personnage de Sébastien Tardif dans 24 heures de liberté, et complètement à l'opposé de moi-même. Maintenant, vous voulez savoir quel personnage que je m'identifie? Eh bien, je vois un petit peu de moi-même dans tous les personnages. C'est certain qu'il y a l'amour du ski comme chez Clovis et Cédric, qu'il y a le souhait de bien réussir dans ses études puis d'être assidu et sérieux comme Blanche. Des fois, certaines répliques de Tantine J ou d'Euclide, ça colle à ma personnalité. Donc, il y a un petit peu de moi dans divers personnages dans ce roman-là. Ensuite, vous m'avez demandé si j'avais à rééditer mon livre, qu'est-ce que je changerais? Pour être bien franc, pas grand-chose que je changerais pour la simple raison que je suis vraiment fier du travail que j'ai fait en collaboration avec les éditions David. Il y a le personnage principal, je peux vous dire que dans le manuscrit, il s'appelait Albéric et non pas Cédric. Puis c'est suite à des discussions avec les éditeurs que c'était décidé qu'on opterait pour un nom plus jeune. Donc, il y a ce côté-là que j'ai encore un petit pincement par rapport au nom d'Albéric, mais je crois bien que je vais m'en servir un jour dans une autre histoire, mais pour un personnage plus âgé. Mais autre que ça, je pense pas que je ferais grand changement. Par suite, vous m'avez demandé pourquoi est-ce que j'écris en français quand les personnages parlent en anglais? Eh bien, le roman comme tel est en français. Je crois que ça alourdirait le texte. À chaque fois que c'était écrit en anglais, il y aura ensuite des notes en bas de page avec la traduction. Parce qu'il faut garder en tête que ce ne sont pas tous les lecteurs qui comprennent l'anglais. Donc, ça, c'est vraiment une des grandes raisons. Puis c'est pour ça que souvent, on va avoir un passage puis on va ajouter ensuite « dit-il en anglais? » Ensuite, vous me posez une question plutôt indiscrète. Vous voulez savoir combien est-ce que je suis payé pour être auteur? Quand on publie des romans, on touche un pourcentage des ventes. Donc, dépendamment si on est célèbre ou pas, on a entre 10 et 15% pour les ventes. Donc, si vous voulez faire un petit peu de mathématiques, je suis certain que vous pouvez calculer combien est-ce que je reçois pour chaque exemplaire vendu. Toutefois, c'est aussi possible d'écrire à contrat. À ce moment-là, on obtient un montant forfaitaire. Par exemple, lorsque j'ai écrit Smash sous le soleil, qui a été publié à travers la revue Quoi de neuf du CFORP, c'était un contrat, donc on me remettait un certain montant en échange d'écrire un récit. Toutefois, les auteurs peuvent gagner de l'argent
de d'autres façons, autres que la vente des livres. C'est certain qu'en donnant des ateliers, en participant à des tables rondes, en faisant certaines tournées, s'il y a une adaptation cinématographique d'un livre, même si nos livres sont disponibles dans des bibliothèques canadiennes, c'est possible d'avoir un certain dédommagement, si on veut, pour ça. Donc, c'est plein de façons d'obtenir un certain salaire, si on veut, en tant qu'auteur. Toutefois, pour s'enrichir, il faut vendre vraiment des tonnes et des tonnes de copies. Mais je pense que l'important, c'est d'écrire parce qu'on aime ça et d'écrire parce qu'on a le désir de partager une histoire. On veut raconter quelque chose et si ça donne qu'on s'enrichit, ben encore mieux. Ensuite, vous voulez savoir quand est-ce que j'ai su que je voulais devenir écrivain? Eh bien, très jeune, moi, j'étais un grand lecteur. À la bibliothèque, j'empruntais des tonnes de livres. J'en recevais tout le temps en cadeau parce que c'était ce que je demandais. Puis, j'ai toujours été très créatif. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ah, ben, moi aussi, il me semble que j'ai des histoires que je pourrais raconter. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire toutes sortes de choses. Plus au sérieux, disons, en 8e année, quand je commençais à écrire un premier roman. Ça m'a pris 10 ans à le compléter. C'était plutôt long. Mais par la suite, j'ai eu la piqûre, puis là, je me suis mis à écrire davantage. Et ça se faisait de plus en plus rapidement. Toutefois, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que je trouve une maison d'édition qui veuille publier un de mes manuscrits. J'écrivais en anglais et j'écrivais en français, puis j'envoyais les manuscrits partout à travers le monde. Puis le soir que je me suis dit, bon, c'est fini, j'arrête d'écrire, j'ai essayé, ça donne rien. C'est ce soir-là que j'ai reçu un message m'annonçant qu'on voulait publier 24 heures de liberté. Donc, ça m'a vraiment donné un second souffle. Puis à ce moment-là, j'ai continué à écrire. Depuis ce temps-là, ben, j'ai Ski Lanche Avalanche qui est sorti. Il y a un autre titre qui va sortir sous peu. J'ai écrit un manuscrit pour les plus jeunes qui, malheureusement, n'a pas été retenu par des éditeurs. Puis j'en ai un autre livre d'écrit qui est sur la tablette que j'ai pas encore soumis, mais que ça va venir. Donc, ça m'encourage toujours à continuer. Puis j'ai déjà pas mal d'autres idées. Pour des scénarios de différents livres, peut-être 7-8 autres. Donc, on va voir, peut-être dans le prochain 20 ans, là, il va en avoir un paquet d'autres qui vont sortir. Ensuite, vous vouliez savoir, est-ce que le Mont-Renard est un vrai mont? Est-ce que c'est une vraie station de ski? Non, ça l'est pas. C'est de la fiction. J'ai complètement inventé ça. Je me suis dit, ah, ben, ça va être un nom un petit peu différent. On passe sur un animal qu'on retrouve au Canada. Puis j'avais l'idée de la mascotte. Je me suis dit, ah, ben, si le mont a un nom qui n'est pas relié à un animal, ça va être plus difficile peut-être de créer une mascotte logique. Donc, c'était pas mal ça, mais je me suis quand même inspiré de différentes stations de ski que j'ai visitées au fil des ans. Vous m'avez aussi demandé combien de temps est-ce que ça m'a pris pour écrire le livre. Pour celui-là, ça m'a pris à peu près 2 mois pour l'écrire. Toutefois, ce qui est plus long, c'est toute la révision, la correction, parce que tout le processus d'édition, ça peut prendre jusqu'à un an. Mais l'écriture comme telle, je le fais assez rapidement. Votre prochaine question, c'était quel conseil est-ce que je pourrais donner aux jeunes intéressés à devenir auteurs? Premièrement, c'est d'écrire tout le temps. Aussi, je dirais de noter tout ce qui vous passe par la tête comme nom de personnage, comme lieu, comme titre, comme piste pour de l'intrigue, une trame quelconque. Notez tout ça, c'est des petits bouts de papier si vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Ensuite, je mettais tout ça dans mon tiroir à idées dans mon bureau. À l'occasion, je sortais ces papiers-là. Puis, je pouvais dire, OK, ben là, je vais prendre ce personnage-là avec ce lieu-là, telle intrigue. Puis, ah, là, ça me donnait une idée, puis je pouvais écrire. Maintenant, je suis rendu avec mes idées dans mon téléphone cellulaire. Peu importe, c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi. D'autres conseils pour des jeunes qui veulent devenir auteurs, je dirais, c'est de s'armer de patience parce que c'est long. Ça prend du temps avant qu'on trouve une maison d'édition qui veut nous publier. Ça prend du temps quand on passe à travers le processus d'édition. Donc, c'est d'être patient. Une autre chose, c'est d'être ouvert à la critique. Parce que lorsqu'on écrit, on a souvent tendance à penser que tout ce qu'on écrit est super bon, puis qu'il n'y a pas d'erreur, puis que c'est parfait.
Mais on est tellement investi dans notre texte qu'on ne peut pas prendre le recul puis voir vraiment les petits défauts qu'il y a ici et là. Moi-même, ça m'arrive fréquemment que, oups, la personne remarque que, ah, ben, il manque une virgule, tel verbe n'est pas bien conjugué, tel accord n'a pas été fait comme il faut, ou il y a quelque chose qui n'est pas logique, on a appelé un personnage d'une façon dans un chapitre, puis on l'a écrit d'une autre façon dans un autre chapitre, quoi que ce soit. Donc, de là, l'importance de travailler avec des éditeurs. Qui eux autres voient justement comme le grand portrait, puis là, ils font des commentaires, puis on joue au ping-pong, là, on se relance des idées, voici un chapitre, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses, puis ça revient, puis ça va. Mais c'est d'être ouvert à la critique, parce ce qu'on veut, c'est que le livre soit le meilleur possible. C'est un travail de collaboration qui se fait, là. Ensuite, vous me demandez si j'avais à choisir un autre titre, quel serait-il? Pour être bien franc, j'ai eu des discussions avec la maison d'édition, puis où on me proposait d'autres titres. Mais moi, je tenais Mordicus à garder Ski Blanche et Avalanche parce que c'était dans ma tête le meilleur choix parce qu'on avait la notion du ski, qui est le sport central de ce roman-là. Blanche, déjà là, c'est un personnage qui a un B majuscule. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas quel est son rôle. Donc ça, c'est intriguant. Et finalement, Avalanche parce qu'il y a de l'action. Donc, dans ma tête, je voyais pas vraiment d'autres titres et c'est pour ça que j'ai vraiment là, pesé pour pouvoir garder ce titre-là. Toutefois, si vous avez des suggestions, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a passé par la tête comme titre potentiel. Finalement, vous me demandez quels sont mes romans préférés ou mon roman préféré et pourquoi. J'ai lu des tonnes et des tonnes de romans, autant en français qu'en anglais, mais je vous dirais qu'au point de vue littérature jeunesse, les romans pour adolescents, j'ai adoré Le Trésor de Brion de Jean Lemieux, parce que c'est un roman d'aventure qui se passe aux îles de la Madeleine, où on a des personnages qui se promènent en voilier, qui vont à la recherche d'un trésor laissé par des pirates il y a à peu près un siècle. Ça tient vraiment à aller. Donc ça, c'est vraiment comme un coup de cœur. Autre que ça, j'adore le roman Maria Chapdelaine. Je sais que c'est pas très tendance en 2016 de dire qu'on aime les romans du terroir. Toutefois, pour moi, c'est le cas. J'aime le symbolisme des personnages. J'aime l'histoire, comment ça se déroule comme tel. Garde en tête que c'est un classique. C'est le premier roman de la littérature canadienne-française. Je l'aime encore à ce jour. Toutefois, je lis aussi des polars, je lis des livres plus détraqués des fois, puis je suis un amateur de Patrick Sénécal, tout comme votre enseignante. J'ai bien aimé la série Malfaus ou Hell.com ou bien Le Vide qui était vraiment époustouflant comme roman. Donc ça, c'est différentes suggestions si vous voulez littéraire. Donc dans l'ensemble, je crois que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Puis je vous encourage à m'en poser d'autres si jamais il y en a d'autres qui vous trottent par la tête. Je tiens à vous souhaiter une bonne fin d'année scolaire et surtout de belles vacances qui s'en viennent bientôt, en espérant que vous allez avoir du temps pour lire de plus en plus. Et sur ce, je vous souhaite au revoir.